On avait 5 thèmes à choisir. On a dû en choisir un. On en a pioché un. Donc on est tombé sur l'accumulation. Et en fait, on a commencé par faire un dessin chacun. Et c'était le dernier de notre séquence, sur 36 environ. Et moi, j'étais en deuxième. Donc le dernier dessin de Marion, comme c'était la précédente, c'était des colonnes. Elle avait incrusté dans le décor, elle avait incrusté des colonnes. Et moi, mon dernier dessin, c'était des pas, plein de pas qui s'accumulaient en fait. Et je devais enlever les colonnes pour mettre les pas en fait. Et je les ai remontées. Et après, pouvoir réincruster le décor derrière en 36 dessins, quoi, en 3 secondes. 36 dessins pour 3 secondes. Je suis parti de ce décor pour retravailler sur notre thème qui était l'éclatement, et donc j'ai éclaté le décor progressivement. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'images, ça doit durer à peu près une seconde. Mais je vais rajouter environ une image entre chaque dessin pour faire un éclaté plus lent. En fait, il faut saisir image par image. Parce que là, ce qu'elle a commencé à faire, c'est à colorier, elle n'arrivera pas à colorier. Non, mais qu'elle en passe avec des grandes lignes. C'est long. Oui, ça, c'est long. Répétitif. Pour faire quelques secondes, il faut plus de 100 dessins. Ben, en partant de l'image Love, la première, celle-là. Je devais arriver à celle-ci, donc je lui ai fait manger ça, tout en lui faisant disparaître les taches parce que c'est le thème de la soustraction. Donc je l'ai fait en même temps, les courbes je les ai enlevées, je l'ai fait grossir. Mais le plus mal que j'ai eu, c'est pour la faire bouger, pour la faire retourner. À partir de là, j'ai commencé à avoir du mal, parce que j'avais déjà fait... Je les avais déjà fait les dessins là, mais il en manquait beaucoup. Donc, Et puis là, il y a un réel mouvement dans l'espace, donc c'est difficile. Il faut que je rajoute 11 dessins pour arriver à ça, quoi. Et tu as fait une saisie et tu l'as visualisé à l'écran. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai bien travaillé. Et tu as un temps de séquence de... 4 secondes, je crois. 4 secondes. C'était difficile? Non. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce travail? Bah, dessiner, parce que j'adore ça.